Pendant que ma patiente était en train d'accoucher, je séduisais son mari. Un si beau garçon aura un très joli bébé. Marc était prévenant, doux et docile. Qui ne voudrait pas d'un partenaire comme ça? Vous entendez ça? C'est Claire, elle vous appelle. Allez la voir, s'il vous plaît. Il continue à penser à sa femme, même à ce moment-là. Mais je savais comment faire en sorte que Marc soit totalement à moi. Après la naissance, Marc voulait tenir le bébé dans ses bras. Et sa femme est devenue folle. C'est un bébé, pas une canette de bière. Donne-le-moi. Je pouvais dire, d'après mon expérience de vie, que le couple n'avait pas d'avenir. Alors je les ai aidés à ne pas perdre de temps à sauver un bateau qui coule. Marc m'a demandé conseil. Il voulait que sa femme se calme et ne panique pas. Il faut faire quelque chose pour calmer ses hormones. Je n'en peux vraiment plus. Marc ne comprenait pas. Il devait simplement la quitter. Les sédatifs n'avaient aucun effet sur elle. C'est pourquoi je lui ai prescrit des médicaments qui stimulent le système nerveux. Je voulais que Marc voie qui était vraiment sa femme. À bientôt. Mon plan a parfaitement fonctionné. Et Marc s'est présenté quelques semaines plus tard en se plaignant de son comportement. Elle est constamment en train de crier ou de pleurer. Et ne me laisse même pas commencer à parler d'intimité. J'ai compris le message. Et j'ai fait de mon mieux pour le détendre. Ensuite, j'ai conduit Marc à mon objectif principal. Tu peux être un très bon père, sans avoir à tolérer une femme folle. La souricière s'est refermée et il était à moi. Marc a quitté Claire et a emménagé avec moi. Je n'ai pas fait les mêmes erreurs que sa femme. Et je lui ai donné ce qu'il voulait dès le début. Laisse la valise. Je veux aller au lit tout de suite. La femme de Marc ne savait pas qu'il avait emménagé avec moi. Alors, elle a continué à prendre des rendez-vous. Car elle me faisait entièrement confiance. Mon lait maternel a disparu. Sans doute à cause du stress. Mon mari m'a quittée. Claire avait une mine affreuse. Et j'étais tellement désolée pour elle. Que je lui ai dit d'arrêter de prendre les médicaments que je lui avais prescrits. Non seulement ça, mais je lui ai fait oublier Marc. Plus vite vous enlèverez ce traître de votre tête, et plus vite votre lait reviendra. Pendant ce temps, je le rendais heureux dans la chambre tous les soirs. Et il me remerciait pour ça. Attends, je te prépare une surprise. Je savais ce qu'il aimait, alors j'ai immédiatement commencé à me déshabiller. Cependant, Marc m'a dit que ça allait être une nuit spéciale. Et que nous ne la passerions pas à la maison. J'ai supposé qu'un jeu de rôle m'attendait. Tu es si créatif, Marc. J'adore ça.
Le spectacle s'est avéré être ennuyeux. J'attendais que Mark commence à être enjoué. Mais il a gardé son personnage de bon garçon. J'ai décidé de prendre l'initiative. Il faut qu'on sorte, genre, tout de suite. J'ai traîné Mark dans les vestiaires pour lui offrir une vraie performance. Mark s'est montré inaccessible et je me suis ennuyée. Non, attends. Nous allons manquer l'opéra. J'en ai assez de ça. Maintenant, montre-moi ton côté coquin, Mark. J'ai pressé mes lèvres contre les siennes. Mais un travailleur de l'opéra nous a soudainement surpris. Nous avons été mis à la porte et bannis du théâtre. Nous avons conduit jusqu'à la maison dans un silence complet. Mark était en colère, et j'ai décidé de désamorcer la situation. En me baissant sur ses genoux. Mais il a immédiatement arrêté la voiture. Tu veux aussi que je perde mon permis de conduire? Laisse-moi tranquille! Ce soir-là, c'était la première fois que nous n'étions pas proches. Le jour suivant, je ne pouvais pas m'arrêter de m'inquiéter et j'étais remplie de colère. Je me suis emportée contre l'ex de Mark parce qu'elle était en retard à son rendez-vous. Allô? Où êtes-vous, hein? Vous ne pouvez pas rater ces tests! Tout à coup, j'ai entendu la voix heureuse de Claire. Disant qu'elle s'était couchée tard parce qu'elle avait passé toute la nuit à envoyer des SMS à Mark. Quoi? J'espère que vous n'envisagez pas de lui pardonner! La réponse de Claire était assez inattendue. Qu'elle s'occuperait elle-même de sa vie privée. Vous vous trompez. Mark est une partie de ma vie privée. Quand je suis rentrée à la maison, j'ai vu des valises à côté de Mark. Il m'a dit qu'il partait. La famille est plus qu'un simple lit. Je veux me remettre avec Claire. Quand j'ai entendu ça, j'ai décidé de tout miser. Et lui ai dit que Claire l'avait trompé et que les tests le confirmaient. Cependant, cet argument n'a pas arrêté Mark. J'ai pris rendez-vous avec Claire le jour suivant. Et elle semblait bien trop heureuse. Cela ne semblait pas sincère. Mark est revenu! Je lui ai pardonné parce que j'étais insupportable après la naissance du bébé. Je ne pouvais plus l'écouter et j'ai interrompu Claire. Je lui ai dit exactement avec qui Mark la trompait. Et j'ai proposé de l'aider à donner une leçon à ce vaurien. Claire était surprise, mais... heureusement, elle était d'accord. Lui donner une leçon? J'ai déjà quelque chose en tête. Attendez ici. Quelques minutes plus tard, Claire est revenue, mais elle n'était pas seule. Elle était accompagnée par le médecin-chef, mon patron, qui tenait la prescription que je lui avais donnée. Vous avez prescrit des stimulants à la patiente et fourni à son mari de faux résultats d'analyse. Une enquête interne a été ouverte et, rapidement, j'ai été licenciée. Non seulement je me suis retrouvée sans homme, mais j'ai aussi perdu le travail que j'aimais, ainsi que des centaines de patients reconnaissants.
J'étais sur le point d'accoucher, quand j'ai vu mon mari en compagnie de sa maîtresse. J'ai été choquée et j'ai heurté la voiture devant moi. Après le choc, j'ai senti mes contractions s'aggraver. Et comme par hasard, ma voiture a calé. Pour la santé de mon bébé, je me suis rendue à la voiture de mon mari. Et je lui ai demandé de me laisser entrer. Emmène-moi à la clinique, maintenant! La fille effrontée n'est pas sortie de la voiture. Elle a roulé avec nous. Et a même essayé d'engager la conversation. Bonjour, je suis Linda. C'est la blogueuse la plus célèbre de la côte ouest. Tu dois la connaître. Je ne dirais pas que ça ne m'a pas dérangée. C'est blessant. Il y a 5 ans, j'étais la gagnante d'une émission de télé-réalité populaire. Et des centaines d'hommes faisaient la queue pour m'inviter à sortir. Cependant, j'ai fait confiance à Martin, qui m'a si bien courtisée. Et maintenant, j'étais sur le point de donner naissance à son bébé en compagnie de sa maîtresse. Arrête la voiture! Je pars toute seule! La réaction de mon mari m'a choquée. Il était sur le point d'entrer dans la salle d'accouchement avec moi. Et le partenariat à la naissance? Je me suis préparé, je suis prêt. Tu ne peux pas me faire ça. C'est très important pour moi. À contre-cœur, j'ai accepté. Mais seulement parce que c'était son enfant. J'ai quand même dit à mon mari de rester dans un coin. Et de ne pas me regarder ou me dire quoi que ce soit. Je ne savais pas où il était allé après mon accouchement, ni le personnel de la clinique. Soudain, j'ai entendu de la musique venant de la rue. Je suis allée à la fenêtre et j'ai vu Martin. Il m'a demandé de lui pardonner pour le bien de notre fils. Quel merveilleux mari vous avez! C'est une bonne chose que le bébé ait un père comme lui. Les mots de l'infirmière m'ont fait réfléchir. Même si Martin m'a trompée, j'ai vu à quel point son fils était important pour lui. J'ai quitté l'hôpital le jour suivant et j'ai décidé de faire une surprise à Martin. Je suis rentrée chez moi sans prévenir. J'ai décidé de renoncer à mon ressentiment et de repartir à zéro pour le bien de notre fils. Tout était calme dans le salon. Les vêtements que je l'ai vu porter la veille étaient là. Donc apparemment, il dormait. Je suis montée à l'étage et je me suis figée en état de choc. Martin dormait avec sa maîtresse dans mon lit. Bonjour, Martin. Bonjour, Linda. Chérie, ce n'est pas Linda, c'est Tracy, la célèbre Ring Girl. Je suis désolé, je n'ai aucune idée de comment c'est arrivé. Moi, par contre, je le sais. Séduire les femmes était la chose la plus importante pour Martin. Il n'était définitivement pas prêt à être père. La parentalité n'est que pour les patients. Ceux qui sont là pour le long terme. Et Martin perdait tout intérêt aussi vite qu'il était enthousiaste. Quand j'ai réalisé cela, je lui ai montré la porte sans aucun regret. Rappelez-vous, un vrai homme n'est pas celui qui est capable d'allumer un feu de joie. Mais celui qui garde le feu allumé.